On est parti pour une petite soirée sur Call of Duty Black Ops Cold War, donc on a accès à la bêta fermée. Je crois qu'elle devient ouverte dès demain ou dès aujourd'hui, je crois, enfin dès ce soir. On est parti pour faire la guerre. J'espère que ça se passera un peu mieux que sur l'alpha où on avait fait que une ou deux victoires, je crois, dans la soirée. Juste dommage, il n'y a pas le zombie malheureusement. À mon avis, vu que c'est des gens qui ont précommandé le jeu, va y avoir des gens énervés de ouf. Oh non! Oh, s'il te plaît, ça a pas lancé. S'il te plaît, ça a pas lancé. Je crois que ça a planté. Ça a lancé. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Ah, satellite d'entrée de jeu. La map de la bêta, de l'alpha. La pire map de l'histoire de tous les Call of confondus. Alors, regardez qu'on a le Krieg là. Oh, 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 oh. Ah ouais, j'ai même pas fantôme là-dessus. J'ai même pas fantôme. En gros, tu joues avec des gens qui ont sensiblement ton niveau. Bah, c'est pas plus mal, ça, tant mieux. En soi, tant mieux, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça parce que du coup, les gens forts bah, tombent sur des gens forts et du coup, ils galèrent à faire des scores. Mais moi, je trouve ça tout à fait normal en fait. Trop facile, si tu t'amuses à faire des 30-0 sur des mecs qui savent pas jouer, aucun intérêt limite. Ouah, ma sensi, elle est un peu élevée là. Mais vas-y, tranquille. En vrai, rien ne sert de rush. Y'a un mec. Y'a un mec là. Ok, bam. J'attends de voir moi si ça passe en fait, j'ai pas envie de rush comme un... Voilà, comme un glandu. Oh, elle fait mal l'arme. Je l'ai tué en deux balles lui. Je l'ai vu mais j'ai tiré à côté, my bad. Pour moi satellite est une des meilleures maps. Ah ouais? Wouah, mais c'est quoi ça? C'est interdit de jouer avec ça. Non, en vrai je vais jouer avec la Uzi. Après j'ai une arme là avec un viseur. Oh il m'a allongé... Ah c'est un sniper. Qui c'est qui m'a dit que les snipers tuaient pas en une balle? Parce que là il m'a one shot le mec. Ouais, ouais, toi. Le mec, il m'a vraiment one shot là. Ah. Attention, tireur des 10 ennemis. On prend le contrôle. Ok. En vrai, la mini-usie, elle est pas mal là, j'aime bien. Ça fait le taf. C'est pas horrible. J'ai failli manger un coup de snipe. Ouh! Le kill à la Semtex. Wouah! Wouah! C'était un snipe lui. Ah, lui, j'ai plus le droit de sortir là. Lui, il m'interdit de sortir là. J'ai pas le droit. J'ai décidé de prendre. Mon destin en main. Ah, la greu! Ah, salopard, il m'attendait au fond. Attention, sniper. Ben ouais, je sais, surtout que là, en plus, j'étais. En fait, ce coin-là, c'est chaud d'y aller avec une mini-vie en vrai. Vaut mieux que je joue sur l'autre côté. Hein. Wow, mais ils sont tous au fond avec des snipes en vrai. Après, ils ont raison, hein, mais... Mine de gaz? Ah ouais. C'est la guerre de ouf. Wow. Que je lui mis papa, papa, papa. Ah bah lui ça a pas... Lui il fallait que je tire direct. Dommage. Pour une première partie ça va. Mais je trouve qu'effectivement le mini-Uzi ça passe bien sur cette map. En tout cas je m'en sors mieux que sur l'alpha. Cette map j'y arrivais pas du tout. Je faisais des scores négatifs. Je prenais pas d'objectif, rien. J'avais vraiment beaucoup de mal à gérer. Et autant là bah, ça va. Attention là-bas tu peux manger un coup de snipe d'entrée de jeu. Ok bien vu. Alors c'est là où ça va être chaud. L'ennemi a pris alpha. Je sais pas s'ils vont être là. Oula en fait. Ah ben ouais ben là je l'ai pas vu. Dans la tête. Et lui le problème c'est qu'il a... Voilà il a une espèce de fusil d'assaut. Maintenant tu vois la vie des gens qui... Wouah. Allez fume le frère. Ça c'est qui maintenant qui est dans la vie? Ok je l'ai eu. Hein Thierry carrément. Vraiment je pense pas. T'as vu elle fait mal quand même l'Uzi en vrai. Quand tu mets des... C'est quoi ça? Vas-y hein. Je crois que j'ai une frappe. Oh, oh je les ai démontés tes mains en bas à gauche, la barre de feed. Incroyable. Oh je les ai allongés avec. Ah oh, je suis vraiment trop chaud en fait. Je fais un truc, je tente un move. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi. Un petit drone. Drone ennemi. Oh, il m'a fait peur lui. Je crois pas que j'avais aimé le 4. Oh je suis trop chaud là, ça y est. Artillerie ennemi. Oh le drop shot, let's go ça. Oh je suis trop chaud.
Ich. Ah, oh, je l'ai pas vu lui. Oh, j'étais on fire là, je contrôlais plus ce qui se passe. Ah oui, mais je retrouve mes sensations de l'époque. Qu'est-ce que t'attends pour te remettre dans l'histoire? Théma, hop. Shoot indiscutable. Ah ouais, pardon, il est passé devant moi, il m'a assassiné. Ouais, ça arrive, même au meilleur. Ouais, ça arrive même au meilleur. De toute façon, on est en train de gagner parce qu'on a sécurisé le B. Et moi, tout ce qui m'importe, c'est la victoire. Attends, tu m'as déconcentré, Vivi. Tu me déconcentres, gros. Oh, Fada. Il m'attend. Ah, j'ai été nul. Parce que je l'ai brain de ouf. Ah, j'ai été grave nul. En fait, je l'ai fait partir à gauche pour au final revenir à droite. Et j'ai raté mon shoot. C'était malheureux en vrai. Parce qu'en vrai, lui, je l'avais brain de ouf. Ouais. Dommage. Oh. Ah, doucement, toi, ici, c'est mon point. Je me sens pas bien là, je suis en solo là. Salut. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça va pas la tête? Calme, cache-toi. Mais wesh! Mais what? J'avais vu un truc, je croyais que c'était un pote. Mais non, mais c'était un allié, mais en fait, il y avait un ennemi, comme je l'avais vu sur le radar. Mais sauf qu'il y a un allié qui a sauté dessus. Et ouais. En fait, l'allié il a pas vu l'ennemi, et donc moi j'ai vu la barre bleue bleue de l'allié, et du coup il m'a tué. Mais ok, let's go, victoire quand même. Let's go, on démarre sur une victoire, ça fait plaisir. Comparé à l'alpha où on faisait que perdre toute la soirée, on a été un élément clé de notre équipe pour aller chercher cette victoire, mon gars. Laisse tomber là. Let's go ça. Bon, j'ai un ratio de 1 et des poussières, hein. 80, j'ai fait du 27-15. Mais je suis quand même premier de mon équipe, hein, regarde. Score 4800, objectif 11 kills sur l'objectif. 11 kills sur l'objectif. Voilà. Élimination confirmée. Ça sent une game à la mini Uzi encore. Le joueur pro. Avec la musique, j'ai l'impression de regarder Docteur Disrespect. Ah, la musique, c'est le genre de musique qu'il met sur ses lives. Miami, je peux. Franchement, M16. Sachant que c'est la M16 avec le viseur, je peux pas. L'arme de base, je suis pas trop fan. Je sais qu'il va falloir courir pour récupérer les plaques. Et je préfère la jouer avec une SMG tranquillou. C'est parti, Vitality Lilouche. Ah, il y a Rubinho, il m'a tué. Donc ouais, tu vas te retrouver avec une capacité de stockage vraiment limitée de ouf. Hein. Il a pas silence de mort, mon bonhomme, je te le dis. Tiens, Rubinho. T'as à prendre, toi, tu es mes potes. Hein. Un ouf, lui. Y'a mec. Et... Je t'ai entendu, désolé, mon pote. Mec, là. Calme-toi, poteau. Ah, ici, c'est mon hôtel. Personne rentre. Personne rentre dans mon hôtel. J'ai dit personne rentre. T'as compris, toi? Pauvre fou. Hein. Il y a des mecs futés, là, dans cette partie-là. Je reconnais, c'est une game e-sport, ça. Ah, je l'ai pas tué. Ça, c'est l'erreur à pas faire. Hein. Je n'ai pas tué un mec. Oh, c'est pas grave. Je t'ai pas toué, mais je vais venir te chercher, mon pote. Ouais, j'ai plus de balles! Oh le con! J'avais plus de balles. Ah, tu pensais vraiment que j'allais repasser par la fenêtre, toi, pauvre fou. Hein. C'est un fou celui-là. Bah oui. Oh, attends, j'ai l'artillerie disponible. Ouf. Attends, un truc me dit qu'il y en a qui vont passer là. Rien que j'en ai tué un. Ok, j'en ai tué un. Oui. J'ai ramassé une petite M4 là. Wouah. Oh, c'était la guerre là. Ah, j'ai pas été bon là, Rubinho, j'ai pas été bon. Tu le sais que j'ai pas été bon. Désolé mon pote. Lui, j'étais obligé de le fumer. Ah, désolé Rubinho, désolé. Ouais, là. J'étais pas sûr que c'était un mec. Ah, mais j'ai l'hélico. C'est bon, j'ai l'hélico. Oh, let's go. Let's go, petit hélico. Ah, rien que ça va faire mal là. En vrai, c'est bien parce que ça continue ma. What? Attends, il m'a pré-shot là, non? Ouf. Ah, ouais, il m'a fait un shoot. Il avait le Sharingan celui-là activé, non? Il m'a fait un jump lui. Ça se voit, il m'en voulait. Je sais mélanger. Wouah, toi t'es un campeur toi. Oh, toi t'es un campeur. Oh, il m'attendait, regarde comment il m'attendait. Oh, c'est terrible, il m'attendait en viseur fixe.
Il y en a un qui court, il va me faire repérer ce point. Salut Ticos, ouais ça fait longtemps que je suis pas venu sur les lives. C'est élimination confirmée, je suis pas allé confirmer mais c'est pas grave. On confirmera plus tard. Oh bah, il m'a pré-shoot. Il m'a entendu arriver, il m'a pré-shoot. Ah ça c'est vraiment nul hein. C'est pour les bébés ça. Oh là là, victoire. Oh je suis premier de l'équipe encore. Let's go ça. 20 éliminations, 7 morts, 17 objectifs. Que demander de plus? Eh hey, je suis trop chaud dans cette bêta là, c'est incroyable. Enfin je dis ça mais en vrai je suis normal mais... Bah ouais. Voilà. Par rapport à l'alpha où j'avais pas été très très bon, je trouve que là les mécaniques sont revenues. Vitality Lilouche est en place. Ça fait plaisir. Carrément. Ah Vitality Lilouche, oui. Attends, t'as... Et moi je suis quoi? Est-ce que tu me prendrais dans ton équipe? Non, j'avais de la vie. Surtout pas. Bah surtout pas. Y'a pas de carrière sportive avec toi. Avec toi, je suis au chômage technique si je te prends. On passe pas les poules. Vivi. Bah, tu pourrais me prendre. 2,86 de ratio, j'ai fait. Première petite découverte de cette bêta de Call of Duty. Ça va, en soi, on aura fait des bonnes parties, hein, mine de rien. On aura passé un bon moment, puisque 3h20 de live, quand même. Donc, plutôt pas mal. Oui. N'oubliez pas que, bon, là, c'est une bêta fermée, mais à partir de demain, elle est téléchargeable gratuitement. Bêta ouverte, du coup, pendant 2-3 jours. Donc, n'hésitez pas à télécharger pour vous faire un avis, hein, si vous jouez sur PlayStation 4. Et le week-end prochain, apparemment, sur Xbox One. Donc, pareil. Je souris. Vous pourrez la télécharger gratuitement. Moi je remercie encore une fois du coup Julien et Sony pour la clé bêta qui m'a été envoyée. Et puis de toute manière je pense qu'on se refera un petit live d'ici peut-être dimanche ou lundi, je sais pas encore, voilà, sur la bêta ouverte. Et puis voilà, on essaiera de faire des aussi bonnes games que ce soir, voire mieux, de débloquer quelques accessoires sur nos armes et de performer comme d'habitude, mais surtout de s'amuser bien avant tout. En tout cas, merci à tous pour ce petit live. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Des gros bisous à vous. Merci encore.